Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour parler de nos 22 joueurs qui ont intégré l'équipe des 22 managers. Certains sont partis, certains sont revenus. Certains vont peut-être faire l'aller-retour. En tout cas, bienvenue à vous. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker la vidéo, à partager la vidéo, à commenter pour être bien placé au niveau du classement. Commentaire et de faire venir des amis pour qu'ils vous voient jouer, pourquoi pas, et qu'ils voient votre carrière. En tout cas, avant cela, on regarde rapidement les sélections. Vous voyez, beaucoup de joueurs sont dans la team rouge avec beaucoup de sélections. À noter qu'il n'y a que 3 joueurs, pour l'instant 4, pardon, qui n'ont pas de sélection, à part en espoir. Jimmy Leroux, Johan, Quentin et Gauthier. Au niveau des juniors, regardez, Quentin, Gauthier, Réville, Legdanel ont beaucoup de sélections. Regardez le niveau que certains ont pris. Bon, les gardiens ont un peu de mal. Sergio Raoul, comme d'habitude, a un peu de mal. Elle était facile, celle-là. Et en tout cas, regardez Vladimir Poulpov. Non pas Poulpovic, et Fromy avance bien ainsi que Projection Virtuelle. Et la valeur, 3 millions pour Thomas Eland. Et 1,4 pour Fromy. Contrairement à Sergio Raoul, qui est toujours un contrat amateur. Et Jimmy Leroux, lui, aussi. Avant de commencer, comme d'habitude, vous pouvez ajouter 2 points à chacun de vos joueurs. N'hésitez pas, les 2 points, ça peut bien vous aider. On regarde rapidement la description des médias, beaucoup sont prometteurs. Ça va être pas mal dans le futur. On parlait des sélections. On va parler de l'équipe bleue d'abord, car il s'est passé des choses négatives, et après on parlera des rouges. Laquelle a vraiment fait de bonnes performances. On commence par les bleus. Les bleus au niveau des espoirs. On va faire rapidement le point. Un groupe pas facile, France, Ukraine, Pologne. En tout cas, ils ont fini 5e devant les îles Féroé, mais juste derrière l'Israël avec le même nombre de points. Avec notamment une victoire 3-0 contre les Féroé, dont un but de Johan. 1-0 contre la Pologne. Puis il y a eu une victoire 3-0 avec 2 buts de Johan. Une défaite 3-1 contre la Grèce. Puis contre la Bosnie. Et une victoire contre, on verra tout à l'heure, l'équipe des Team Rouge Espoir. Il y a eu, les Espoirs sont affrontés, les équipes sont affrontées. Johan et Chris Gaming a marqué. Vous voyez, ils ne sont plus que 5. Chez les A, que s'est-il passé? Que des défaites. L'Allemagne 3-0, 4-1, dans un but de Eland contre la Bulgarie. Israël 3-2, 4-0, 2-0, 3-0. C'est ici un groupe difficile. Dernier, 1 point. C'est chaud pour l'équipe bleue. Et ça a été encore plus regardé. Match pour rester en Ligue des Nations Division C. Match de barrage, donc il ne fallait pas le perdre. Premier match, victoire 2-1, Wizard s'impose, et 2-1 c'est la défaite, et une défaite au tir au but. Nos joueurs ont marqué, Francis Le Bonnet et dans Projection Virtuelle ont marqué, mais malheureusement ça n'a pas suffi, car Bodenkov a loupé. Rendez-vous en division D. Regardez bien, Ferro et Gibraltar, team bleu, ça devrait passer. Vont-ils remonter? On verra ça la semaine prochaine. Et un match amical, on voulait savoir qui était meilleur entre les rouges et les bleus. 2-2. Et un but. Le clam, c'est niveau des bleus, regardez, personne n'a joué. Match la Hongrie, on ne peut pas le voir, personne n'a joué avec l'équipe bleue. L'équipe bleue qui a un peu plus de mal que les rouges. Au niveau de l'équipe des rouges, les espoirs, ça se passe pas bien du tout comme les autres. Et ils sont devant la Biélorussie 5e. Ils ont fait 0-0 contre la Biélorussie. Et une défaite 3-0. Et regardez, personne n'avait joué avec les espoirs. Victoire 3-1. Par contre, en A, beaucoup jouent. Et en A, ça se passe mieux. Défaite certes contre la Croatie. 2 fois. Dont un but de Fromy. Défaite contre l'Écosse. 2-0. Et 2-1 contre la Pologne malgré Clams. Mais 2 victoires contre l'Arménie. 2-1. Et contre l'Islande, 2-0 grâce à 2 buts de Fromy. Regardez, 4e, 1 point d'avance sur l'Islande.
et 3 points de retard seulement sur l'Écosse. Bon parcours. Il avait aussi un match pour ne pas tomber en division D. Et victoire 1-0 en Lettonie. Klams a marqué. Et retour à but partout à domicile malgré le contre 55 bottes. Tennis. Adrien a marqué. C'est donc rendez-vous en groupe C, vous voyez. Irlande du Nord, Monténégro, Team Rouge et All-Star Euro. La semaine prochaine, vous découvrez certains des joueurs de l'All-Star Euro et de l'All-Star Monde. On verra qui ça peut bien être. Et on voit deux matchs amicaux, défaite 3-1 et 2-2, avec regardez quasiment. Les trois quarts de l'équipe sont nos joueurs. Intéressante équipe rouge qui pourra aller loin. Et on commence notre résumé des joueurs dans l'ordre inverse. 10 000 euros lui est toujours en amateur. Il essaie de progresser par semi-professionnel. Il est à Versailles. Il essaye d'aider E-Flash. Malheureusement, ça n'a pas suffi. 6,80, 47 buts encaissés en 32 matchs. Mais tout, ça sera mieux. Pas grand chose à dire, à part sa première sélection en U21. Dur, dur pour lui. Sergio Raoul, c'est pareil. Alors, on va juste voir par qui il est observé. Observé par de nombreux clubs, dont Porto, Monaco. Lui aussi à Versailles, il cumule les prêts. National 3, Régional 1, 36 matchs, 7-21. Et là, il est de retour en Régional 1. On verra s'il va y rester ou pas. Joueur d'année supporter à Versailles. On a vu une première sélection à l'âge de 18 ans. Quant à Mano, lui, est en prêt. Il est à Lorient. Il était en prêt à l'US portugaise jouer. Ça s'est bien passé. 17 buts en 23 matchs. Il claque en National 3 où il a vu la saison d'avant. Une cinquantaine de matchs et une trentaine de buts à Lorient. Pour l'instant, il est en équipe A. A-t-il de rester? En tout cas, regardez bien, joueur des supporters. 10 fois mieux match et 17 buts marqués. Il perfore en National 3. On verra en Liga. Jakub Leszczyński n'a pas changé de club. Il ne s'est pas prononcé la semaine dernière. En tout cas, il est parti finalement. 3 matchs à Saint-Brice en National 3. Il est monté d'un cran en National 2 avec Montpellier. 7,07 de moyenne. Bonne perf. Pour l'instant, vous voyez, il est en U19. Aura-t-il sa chance dans le sud de la France? On ne sait pas, en tout cas, il a joué en National 2 et il était champion de National 2. Et juste avant, il avait été capitaine à Saint-Brice. Jordan Garni, l'autre gardien, a traversé la frontière. Lormont, c'est en Bretagne, il était jusqu'au bout pour aller en Belgique. Bonne saison avec Lormont, 7,35, seulement 9 buts en 125 matchs. Il est en avec le Cercle de Bruges en U18. Pourquoi pas monter avec les A, peut-être faire des bancs de touche, des matchs en coupe. En tout cas, record battu du nombre de moins matchs sans encaisser de but et un titre régional avant de partir. Bien joué cette année. Johan est observé, notamment par Caen, par Mainz, par Rio, par d'autres clubs. Il avait refusé le Portugal et le Portugal l'a rappelé. Porto, alors on va voir quel Porto, parce qu'il y a plusieurs Porto, en tout cas, je parle pas de l'alcool, je parle des clubs. Une demi-saison en Régional 1, 12 matchs, 7 buts. Il part à Porto B, c'est la deuxième division. Et il a fini champion avec ce club en deuxième division. Pour l'instant, il est à Porto B, seulement 4 matchs. Et rien de plus à dire, Porto B qui est en deuxième division, mais qui ne peut pas monter. Lech Danael, lui, est à Lyon. Il progresse également au niveau de sa polyvalence. Par contre, pas grand-chose. 3 matchs avec l'équipe de réserve. 7-20, bonne moyenne. Pas plus de matchs. Alors, il joue avec les U19. Faudrait-il un prêt? Faudrait-il autre chose? Pareil, première sélection et premier but face au Kazakhstan. Saibot, observé pour un prêt à Laval. Car lui, il est à Bordeaux. Et à Bordeaux... Alors, attendez, je me suis trompé, voilà. Il n'a pas joué encore cette année, vu qu'il a été prêté à Versailles.
36 apparitions, 2 buts, 7-0-2, bonne performance. Pour l'instant, il est toujours équipe 2. Le verra-t-on à bord de l'équipe A? Ça, on verra l'année prochaine. Notre ami Sokraï est en Suisse. Ça se passe plutôt pas mal. Pourquoi? Alors, il y a l'équipe A, l'équipe B. L'équipe U21, 3 buts en 7 matchs. Il joue peu, mais il marque. Et là, il a joué un petit match en coupe. J'ai regardé, c'était 7 minutes en coupe. Il commence à faire sa apparition. Ça commence à être intéressant. Premier but également avec l'équipe rouge. Tout doucement, il se fait sa place en Suisse. L'équipe suisse qui a loupé de peu la Coupe d'Europe. On ne sait jamais l'année prochaine. Autre avant-centre, Gauthier. On l'a vu à Angers. Mais avant, il était prêté à l'AS Lat. 12 buts en 23 matchs en Régional 1. 7,51 de moyenne. Il claque. Et là, il est dans le groupe en équipe 1 et devenu l'attaquant, le buteur prolifique avec 16 buts et joueur de l'année avec Lat. On verra maintenant en Ligue 1 ce que ça donne. Notre ami Francis Lebonnet est toujours dans le sud, à Nice. Alors, je ne sais pas s'il était là-bas juste pour bronzer ou pour autre chose. En tout cas, il joue avec l'équipe 2. 24 apparitions, 7-23, 2 passes décisives. Tout doucement, il fait sa place. Il est dans l'équipe, dans le groupe pour l'instant, pour cette année. On verra. À noter qu'il a été nommé capitaine de l'équipe des U19. On voit ce que ça donne comme capitaine. Première sélection U21, qui a suivi une sélection en A. Adrien Théis est observé par le Stade Lavallois. C'était lié joueur Reims. Mais avant, il a fait une grande saison. Peut-être pas par des apparitions, un match en coupe, 11 apparitions dont 10 fois rentrées en jeu, un seul but. Reims qui est descendu juste pour la formation. Et lui, il a réussi à gagner comme son titre de champion de D2, ainsi qu'un premier but en sélection. Et juste regardez, il est dans l'équipe de Reims, en Ligue 2, en D2 belge. Parce que ça va être pareil, on verra ça la semaine prochaine. Lucky Johnson est à Lens en compagnie de Poulpoff. Et vous voyez bien que sa réputation monte. Surtout qu'il joue en National 2. 27 apparitions, 5 buts, 5 passes, 7,45. L'année prochaine, toujours en National 2. Pourquoi pas le voir quelques apparitions. Surtout, regardez, il a fait une apparition. Il est rentré lors du dernier match avec Lens. Pourquoi pas? On ne sait jamais. Première sélection cette année, pas d'autre chose pour l'instant. Beaucoup sont dans les mêmes clubs. Wizard est aussi à Bordeaux. Et quand on réfléchit, Saibot d'à côté, Saibot d'à côté, Wizard de l'autre, ça peut être intéressant. Surtout que lui, je me retrouve, voilà, a joué 15 matchs en National 2, 7 matchs avec les pros, pas de but. Mais ça joue quand même 7 matchs avec Bordeaux, c'est pas mal. 3 matchs en coupe. Première sélection cette année. Il a tout juste cette année. Joachim est à Strasbourg. Et à Strasbourg, il joue aussi. En B tout d'abord, 15 matchs, 1 but et 3 matchs. Plus un match en coupe, ça commence à jouer. Strasbourg qui est en Ligue 2. Ça commence à faire des bonnes performances, à jouer quelques bouts de match. Sinon, pas grand-chose à dire au niveau des étapes de carrière. Max Klams est à Amiens. L'année dernière, il n'a pas joué avec la B, mais il a joué avec la A en Ligue 1. 23 apparitions, 5 buts en Ligue 1. Donc 23 apparitions, et dont 22 rentrées en jeu 22 fois. 6,67. Bon début également pour lui. Alors, plus grand nombre de fois homme du match, nommé dans 11 d'Amiens. On va juste regarder. Il a en tant que remplaçant 17 apparitions, 5 buts. Tout doucement, il fait aussi également ses preuves. Ça peut être intéressant également pour l'année prochaine. Coco Torres, lui, au Stade Vélodrome. Stade Vélodrome, c'est pas facile. Il ne l'a pas encore vu en tant que
joueur, il a vu juste avec la réserve. 9 petites apparitions, un petit but. Et l'année prochaine, retour en National 2 pour lui. Difficile, au moins, à noter qu'il a été acheté pour 1000 euros. Au moins, il joue, il gagne 2 titres. Champion national avec U19, après avoir été en National 2. Des petits titres qui lui amènent un petit palmarès. Chris Gaming voudrait partir en prêt, car son entraîneur souhaiterait qu'il poursuive sa formation à un niveau plus intéressant. À Lille, Lille qui forme les jeunes, et là pour l'instant, il est le groupe de Lille, devrait partir, mais avant, bonne performance comme beaucoup, vous l'avez vu hier. À Tamise, l'Ukraine, 28 apparitions, 9 buts en division 2 belge, 7-26. Alors, beaucoup de choses pour lui, regarder alors. Choisi régulièrement l'équipe type en division 2, la première sélection, champion de Belgique division 2, joueur de l'année à la deuxième place, ainsi que dans le meilleur 11 du club belge. On verra qui est premier, car équipe de l'année également, il y a deux joueurs qui sont dedans. On continue par Thomas Eland en Italie. En tout cas, il est observé par un club belge. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a encore été en Belgique. Regardez, acheté 3,8 millions par Napoli. 27 matchs, 4 buts, 3 passes décisives, 7,36 de notes. Comme son prédécesseur. Alors regardez, on est ici. Première sélection, premier but. Très régulièrement appelé dans l'équipe de la semaine en Ligue 2, champion de Ligue 2, vous l'avez vu. Joueur des supporters, regardez bien, joueur de l'année Ligue 2. C'est lui, joueur de l'année. Et au-dessus, dans l'équipe de l'année, il est là. Il est là, à droite. Bonne saison, très très bonne saison pour lui. À gauche, il y a Chris Gaming. Chris Gaming à gauche, Eland à droite. Je n'ai pas vu le temps en dessous. C'était l'aile gauche et la droite qui ont vraiment fait fureur en Belgique. Ils sont séparés, on va voir ce que ça donne séparément pour eux. Il nous en reste 3. La projection virtuelle qui donne son club. On sait qu'il aime Angers. Et là, bonne performance pour lui. Regardez, ça m'a même surpris moi-même. On est en 27-28. 3 apparitions en National 2 et 23 apparitions en Ligue 1. Alors, on va juste regarder, je ne sais plus de tête. Donc, pour ceux qui sont intéressés, là, on s'est fait une 17e. Pardon. Je sais pas. J'étais un peu trop vite, voilà. Bordeaux a fini 7e. Lens 6e. Marseille que 9e. Angers 13e. Donc Angers 13e, Lens qui jouera la Coupe d'Europe l'année prochaine. Bonne performance pour lui. Alors, je reviens vite ici. Et regardez bien, champion national de l'année dernière est choisi une fois dans l'équipe type en Ligue 1 et nommé dans le 11 de Angers. Il est à gauche, défenseur gauche. Et vous verrez, Fromy est là, on en parlera après. Deux joueurs d'Angers qui jouent. Ça annonce une sacrée équipe et comme vous le savez, ils ne sont pas seuls à Angers. On passe directement à Fromy. Lui aussi, au niveau de la polyvalence, c'est intéressant. Et lui, directement, il n'a pas joué à l'équipe B, 27 matchs à 5 buts. 6,89, également bonne performance pour lui. Aussi dans 11 de Angers, une fois dans l'équipe type de la saison. Par contre, ils sont ensemble à Angers, mais ils ne sont pas. Je vais juste regarder. Coéquipier, mais équipe, on va voir juste l'équipe de la saison. L'équipe qui joue en 3-5-2 pourtant. Je ne sais pas ça. J'avais changé au niveau de l'entraîneur. À part le gardien, il manque un défenseur ici, mais c'est vrai qu'au milieu, il y a Johnson. Lejdanael, vous voyez ici, c'est pour ça que j'ai mis le joueur en majuscule. Thomas Eland et Wizard au banc de touche. La team bleue, qui a beaucoup de joueurs. La team rouge, on a vu avec Fromm également.
Elle qui joue aussi. Comme ça. C'est là qui joue. 4-2-3-1. Avec. Il manque un défenseur central, il manque un milieu. Milieu gauche, le défenseur central il est là. Milieu centre est là. Et d'autres attaquants sont là. En tout cas, quasiment tous les joueurs sont là. Bonne équipe rouge qui avance tout doucement. Car pourquoi pas une participation en Coupe d'Europe ou en Coupe du Monde. Il en reste un, c'était le vainqueur l'année dernière. Il a bien progressé, 133, promis aussi. Vladimir Poupov à Lens. Ça progresse bien à Lens. En tout cas, un match aussi, un petit bout de match pour lui pour débuter. Après avoir fait seulement 8 matchs en National 2, il a beaucoup joué en U19. Il sera dans le groupe pour l'instant pour les matchs de 29. Par contre, pas grand chose à signaler au niveau du palmarès. Petit récapitulatif, je vais montrer avec vos clubs. Avant de vous montrer le classement, le club, et regardez bien, vous êtes 3 déjà à Angers, vous êtes 2 à Bordeaux et 2 à Lens. N'oubliez pas, petite parenthèse, c'est 5 maximum, quel que soit le club. Donc si un manager a plus de 5 joueurs, il choisira soit le dernier arrivé ne pourra pas arriver, ne pourra pas rester, soit il pourra envoyer un joueur en prêt, ça, on verra. Tout ça, mais attention, Angers a déjà 5 joueurs et Lens aussi en a. Sachez que, comme je le dis, la semaine prochaine, 11 managers auront un joueur donc, parmi les joueurs qui vont arriver, parmi les VIP et parmi vos joueurs, c'est 5 maximum pour ne pas avoir une équipe que de joueurs créés. On passe au classement avec les choix à faire pour certains. Je le rappelle, le premier au classement général peut aller chez le manager qu'il veut. Il y a aussi le meilleur de la saison et tous ceux qui ont gagné des gros titres. Donc la division 2 est comptée, par contre le National 2, National 3 n'est pas compté. Tous ceux en gris ne peuvent pas changer de club. À noter que ceux qui ont été dans un club qui a changé par rapport à un manager peuvent changer. Exemple, Janel peut aller, s'il veut, à Genèse, Villeneuve-Loise avec Jérémy, Francis Lebonnet à Évreux avec Nono, Socraille soit resté à Sion, soit dans Division 4 à Loubec avec Michel Amburger. Seul Roland Diaz et Iflash ont encore un joueur, ce sont les seuls qui sont pour l'instant en Région 1 National 3 avec Jacob. A noter que Granier peut aller à US Lormont, Johan peut retourner à Antibes, Clams à Caen et Jacob au Lyonnais comme professeur Néo a changé. Donc cette année je suis un peu plus large, donc si vous voulez aller en prêt, 6 mois, 1 an, si vous voulez en transfert, vous pouvez aussi. Les 3 premiers là peuvent, s'ils le veulent, aller dans un club de leur choix en tant que manager. Et j'ai décidé également de vous laisser le choix, soit 6 mois ou soit en prêt 6 mois, 1 an, ou transférer directement, c'est vous qui voyez. Je rappelle juste que Thomas Eland est à Napoli, Chris Gaming à Lille et Adrien Tennis à Reims. Voici juste les clubs où vous pouvez aller, ça sera plus facile. Bien sûr, je ne vous donne pas forcément les noms des managers, comme ça vous pouvez voir ce qu'ils ont fait hier dans la vidéo. Il y a beaucoup de clubs en Région 1, plusieurs Région 3, un en Division 3 turc, un en Division 3 belge et un en Division 1 belge et en Division 4 allemande. N'hésitez pas, pour les 3 joueurs dans les 3 premières places, à me donner vos choix rapidement si possible avant mercredi soir, que je puisse rapidement faire la simulation. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi, je vous laisse avec ce petit tableau, puis avec vos joueurs, la progression des gardiens, ça va pas très vite, certains milieux de terrain non plus, et là vous voyez votre progression. N'hésitez pas, si vous avez des soucis, des questions, ou alors vous voulez inscrire une capture d'écran, le Discord également est fait pour ça. Dernière parenthèse que j'ai déjà fait hier et avant-hier, ceux qui voudraient acheter des Magnum Mystères, le lien est dans la description.
vous aurez 5% de moins avec mon code GabiBanoun. Ça peut intéresser certains, je sais pas. Dites-moi également si dans le Discord ou dans le commentaire si vous achetez souvent des maillots mystères et quel club vous avez reçu. Merci à vous de m'avoir suivi, on se retrouve normalement dimanche, peut-être avant avec, je sais pas s'il y a des choses intéressantes à vous montrer vendredi soir, peut-être une vidéo avec les VIP, je vais voir comment ça se passe. En tout cas, merci à vous de m'avoir suivi et puis bonne continuation pour l'Euro 2020.